Vous avez donc choisi l'effort et la difficulté en décidant de devenir infirmier militaire. C'est aussi le moment où se réarticule le bataillon, puisque vos jeunes anciens viennent de rejoindre leur première affectation et que vous prenez la place de vos camarades qui vous précèdent et viennent de passer en deuxième année. Cette réarticulation est symbolisée par la remise des fanions à vos commandants d'unité. Vous devez être digne du corps des sous-officiers, digne de vos anciens et particulièrement de ceux d'entre eux inscrits au monument aux morts de l'EPPA. Il ne vous reste plus qu'à réussir.